Hello à tous, c'est Gohan-san et on va attaquer le 7e épisode, 6e ou 7e épisode de Google SketchUp pour Minecraft. Donc pour Minecraft, hein, si vous vous rappelez, c'est parce qu'en fait je reprends les tailles des blocs du jeu. Donc on s'était quitté sur la grosse baie vitrée là. J'ai fait les deux autres petites baies vitrées en off. Hein. Donc là il y avait un pilier et tout. J'ai regardé un peu là comment ça se goupillait et j'ai fait ça aussi en off parce que j'y avais pas fait. C'était un truc un peu chiant à montrer. Hein. Bon. Donc cet épisode sera consacré au toit et peut-être si on a le temps aux textures. Bon, si on a le temps hein, après je vous ferai un accéléré ou je sais pas, un truc dans ce genre là. Alors on va commencer tout de suite avec les toits. Alors là, il va y avoir beaucoup du tiré, machin. Alors celui-là, j'ai pris des mesures. Je vais le tirer de 23. Alors il va peut-être y avoir des erreurs. Hein. Donc alors déjà, 9000. 23. Alors je vais marquer 23000 direct. Voilà, on a notre premier bout de toit. Alors il y a un truc que j'aimerais bien faire. Ah bah le téléphone, bien sûr. On va tirer ça direct. Hop, pile poil. Voilà, je pense que j'ai notre premier toit. Ah ouais, alors là il y a un truc spécial. Ouais, j'avais mis épaisseur de 3 pellicules. Donc ça fait 125, 250, 375 plus. D'ailleurs, peut-être, si je me trompe pas. Ah non, 6000. Il faudra encore 375. Ouais, voilà, en gros, il faudra qu'on dépasse ça là, de 375. Lâche ça. Lâche le ruban. Alors. Hop, on va enlever les trucs indésirables tout de suite. C'est au cas où on a retiré. Tac. Alors, ici, pareil. On va tirer le toit jusque bah déjà ici. Je ne vais pas le caler jusqu'ici. Voilà. Bah, on va vérifier combien on a. Parce que mes mesures viennent depuis là. On a 6000. 6 blocs déjà. Donc 6 blocs. Et il en faut 21. Donc 21 moins 6. 15. Donc on va. La gomme. Tout prendre, hein, pas comme tout à l'heure. On tire de 15. Oh bah. De 15. Ah ouais. Bon, s'il le dit. Donc comme ça. Alors ensuite, alors comment je peux faire là? Je vais recréer un petit bazar au-dessus de 375, et puis après je le tire, sachant qu'il va jusqu'à 13. Donc de là à là, ça doit faire 13. Parce que si je fais ça, après il faut que je gomme, ça va faire la merde. Ouais, je vais faire ça. Alors, 375. Donc là j'appuie sur majuscule pour avoir le trait droit.
perpendiculaire au point que je vise. Et là, on va faire 13. Sûr, c'est au milieu. Bon, c'est des mesures complètement au hasard que j'ai pris quand j'ai fait la maison. C'est la dernière fois que je fais une maison avant le plan. Parce que ouais, c'est un peu chiant. Parce que du coup, j'ai plein de règles à respecter, là, les longueurs, les tailles. Quand je vais vous le montrer sur Minecraft, après, il faudra que ce soit quand même assez clean. Que ça ressemble quand même au truc que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Bon, les petits détails, mais ça m'énerve, les petits détails. Donc, alors on va faire ce côté-là parce que il va passer au-dessus d'autres. Et il me semble que ici, là, c'est la hauteur qu'il faut. Ou alors c'est la hauteur qu'il faut, j'ai essayé. Ouais, allez. Par contre, ça tire de combien? Ah oui, j'ai pas de mesure ici. C'est tout mesuré par rapport aux autres. C'est tout mesuré par rapport au gros toit là. Donc je suis obligé de faire le gros toit en fait. Alors, c'est depuis le début. Non, c'est pas depuis le début. Attends, là, on voit mal aussi. Bon, je vais vérifier encore une fois. Alors, 25. 25, ouais, c'est ça la longueur. Alors, je redoutais un peu cet épisode-là, parce que bon, c'est pas facile, facile, là, avec toutes ces montagnes de toits. Bon. Alors, je vais faire un peu dans ce sens-là. Donc, 25. 25 000 sur 1000, hein, vous vous rappelez maintenant. 25 000, ouais, 25 sur 1000. Je vais gommer ça. Et on va le tirer de. Alors, à partir de là, il fait 14. Donc, si on le tire de là, on enlève ce bloc-là, ça fait 13. Donc, on tire de 13. Et ça arrive normalement à un bloc ici d'écart. Impeccable. Donc on en est là. Là c'est normal que ça touche pas parce que j'ai une espèce de truc. Et bien sûr, ben moi je vais le faire au pif parce que à moins que ça passe au-dessus de ça, du coup si ça passe au-dessus de ça. Ah bah non, c'est facile. J'ai un toit qui dépasse là. On va faire un petit peu de mathématiques. J'ai un toit qui dépasse là, sachant que il est égal ici et égal ici. Le toit fait 24 de large et celui-là, il compte 14. Donc il y a 10 de différence. Donc si c'est égal d'un côté, égal de l'autre, c'est 5 de ce côté-là et 5 de ce côté-là, tout simplement. Ouais, on est fort au calcul. Non, je suis pas fort en calcul. Donc, on est décalé de 3 par rapport à ici. Bon, vous savez quoi? De ici jusqu'au bout, ici, là, c'est tout de la même hauteur. On va tirer quelques... Ouais, on va fabriquer quelques toits à partir d'ici. Hein. On va faire en majuscule là. Alors c'est là, je me pas bien. Ça me refait ce truc. J'arrête pas de le gommer, il revient. Le trait. Choqué. Jusque là, sûr. C'est fou ce truc. Ouais, je suis toujours pas habitué à ce. C'est plus
plutôt se mettre comme ça, ce sera mieux. On est là. Bon, ça suffit pour tirer un toit. Alors, on va se mettre de sorte à ce qu'on puisse voir un peu ce qu'on fabrique. Donc j'ai les piliers, j'ai le machin. Non, ça devrait pas gêner. Là, il y aura un double plafond. Donc je pense qu'on peut se mettre ici. On prend et on tire. Juste décalé comme des. Voilà. On vient jusque là. Alors, ouais, j'ai peur d'un truc, c'est que si je gomme là, par exemple, j'ai plus mon mur. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, je ne le vois plus. Ensuite, donc c'est pas fini, hein. J'espère que je vais pas avoir de problème avec cette phrase. Et c'est pas fini. Bon, il est totalement débile, je sais. Voilà. Alors là, du coup, pourquoi je le sélectionne? Voilà. Impeccable. Bon, ça va me supprimer quelque chose. Hein, non. Voilà, c'est bon. Alors, on va prendre un repère. Je vais le fabriquer carrément, je vais pas extruder rien du tout parce que là c'est un peu chaud. Oui, je réfléchis un peu. Ouais, bah ça sera râpé pour les textures. Je vous les montrerai en bonus à la fin de la série, parce que je vais vous montrer aussi dans Minecraft comment je vais l'aménager un petit peu, histoire de faire comme d'habitude. Que comme on va gommer ça. Alors, comment je pourrais commencer à me baser? Donc de là, on suit le trait rouge, donc on grossit, on fait 5000. C'est juste un trait de base, hein, pour se rendre compte de ce qu'on va faire. Ah, il y a peut-être une autre astuce, je sais bien. Mais... Alors du coup, ça déborde de 1. Il me semble que dans mes souvenirs dans le jeu, ça déborde de pas. Oh, tant pis. Donc, on va venir dans le sens vert. Il faudrait qu'on arrive à voir aussi l'axe bleu. Eh ben, tu chopes le truc ou pas? Non, il ne veut pas choper. Bon, à mon avis, ça doit être là. Et là, il faut compter 3000. Après, là-bas, il faut compter 24 000, donc 24 blocs, hein, et ensuite dans ce sens là 15. Oui, le téléphone, si tu veux. Donc on est à la partie supérieure, on va planter sur la face, voilà, je le dis bien. Et on va entourer pour éviter de prendre le machin, quoi. Éviter de traverser le mur. Hein. Parce qu'après, je sais pas encore quelle connerie il pourrait me faire. Comme ça, parce que j'aime pas les petites connexions. Là, on fait 15 000 aussi, du coup. Allez, soyons fous, on
plus direct. Voilà. pareil, là, on descend sur le bleu 2000. Après, majuscule, point, là, on ferme. Ensuite, on tourne et si je prends par exemple ça, je le tire jusque... Ah ouais, ça me fait un vide. Donc non, c'est pas la peine. On va y aller à l'ancienne. Non, je te dis de cliquer, tu cliques. Non, oh, gourde d'outils. Là, alors je voudrais que ça me ferme gauche. Je voudrais que ça me ferme complètement là, mais alors du coup il faut fermer de là, suivre le vert. Voilà. Là, 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 là. C'est assez rapide. Un coin. J'ai tout fermé pourtant. Ah non, je suis pas fermé là. J'ai cru. Voilà. Alors du coup, maintenant, on a notre. Ah non. On n'a pas notre bloc encore fini. Je vais faire direct avec ça. Voilà. Et normalement. Non, pas côté non plus. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai le feu d'artifice en arrière-plan. C'est le 13 juillet, il fait le 14 juillet un jour avant. Et c'est même pas ma ville en plus, c'est la ville d'à côté. Donc voilà. Donc ensuite, bon, les toits là, c'est bon, c'est bon. Mais par contre, à l'intérieur, j'ai pas mis. Ici, je vais créer alors un truc. Suis le truc. Voilà. Non. Ben, c'est pas ça que je voulais que tu fermes, mais bon. Efface. Je veux juste le traîner. Ensuite. Là. Donc là, ici. Il me semble que c'est ça. On le coupe en deux. On le tire jusqu'à là. Donc là, ça va faire un peu comme ici. On va tirer une bavette, une casquette, une je sais pas quoi. Qui sort de deux par rapport au truc. Bon, ça peut être fort. Hein. Je sais pas si vous entendez. Du coup, ben, j'espère que ça. Ah non, ça va pas, bien sûr. Pourquoi ça aurait. Bon, je vais prendre ici jusque là. Non, il est pas en face ou quoi? Là.
Ici, je sais plus exactement comment ça fait. On va faire un peu au pif, puis on verra après. C'est comme là, il me semble, que cette bavette là, cette casquette, on va la faire venir jusque là. Il me semble qu'elle vient jusque là. Après c'est fermé par Ah oui non, bah c'était non, c'était pas ça. J'ai oublié. Z. Voilà. C'est ça qui monte en fait. Ouais, ça qui monte et ça. Alors là c'est obscur, hein. Je vais pas couper pour les voir. Me semble que voilà, ça c'est ça. Là, comme ça. Ensuite on monte ça. Le calège ici. Vous voyez. Ça. Pareil. Ouais, et alors du coup, ouais, on va faire la feinte comme ça et comme ça. Ce sera peut-être pas très juste, mais bon, j'ai pas ça y ressemble vachement en tout cas. Voilà, ça fait plein de lamelles de décalage, sachant que ça c'est de la glowstone, donc ça allume en backlight, comme j'aime bien faire. Donc là c'est les escaliers, voilà. Tac. Donc là pareil, sauf que ben là j'ai pas pu mettre je pourrais pas mettre de glowstone parce qu'il y aura un problème, ou je modifierai si c'est possible de modifier. Alors ça déborde de deux de ça, hein. Donc il faut déborder encore de plus quand on vient de là-bas. Hop, donc déjà 3000 plus. Non, non, ne bouge pas trop. 3000 plus 2000, ça fait 5000. Donc on dépasse. Oh, ça dépasse 2,2. Ensuite, 1,5, c'est quoi ça? Non, c'est de 2 aussi. Et c'est comme ça que j'arriverai à voir un truc. Donc ça dépasse de 2 là, donc 3000. 2 plus l'épaisseur du mur. Et là, je vais vérifier, il faut que ça fasse 15 000. Ça fait 12 000. Donc j'agrandis. Je vais me débarrasser de ce truc. Je vais. Non, tout en avant. Vous voyez, il va falloir que je fasse alors. Là. Tracé. Ah, j'ai pris un mauvais point. On va prendre déjà direct de là jusque point là-bas. Et comme ça, je peux tirer le bazar d'un seul coup. Alors, on a dit 12 000, il faut que j'atteigne 15 000, donc ça fait 3 000. Voilà. 3 000, j'enlève ça. Et j'ai ma petite casquette. Qui est Ara, la machine là. Ouais, ça c'est en bois, donc c'est en bois qui va continuer tout le long jusqu'à l'arrière du. Ça va faire le plafond, quoi, hein, le plafond de la pièce qui est là. Pour des raisons d'inaccessibilité par rapport à ma mauvaise maniabilité du jeu, je vais peut-être pas tenter d'aller, quoique avec un peu de chance, je sais qu'il faut vachement. Alors en plus c'est vide. Alors vous savez quoi? Tac, on va sortir.
Je pense que si on fait par exemple. Pense que si on fait un truc du genre fermé ici. Ça m'a fermé quelque chose, mais pas tout. Et ça m'a juste fermé là. Là, je vais y enlever puisque ça sert plus à rien. Voilà. Ensuite, alors là, ça déborde de 8 à partir de là jusque là-dessus. Donc 8 moins 2, 6. 6000. Voilà. 6000. On a notre casquette qui revient en fait par-dessus, hein, comme ici, hein, on répète les patterns, enfin les patterns, les styles, comme ici, là, ça revient un peu au-dessus, c'est cool. Voilà. Ensuite, ah, pendant que j'y pense, parce que là je vois sur le plan, il y avait une petite erreur ici, c'était tout au même niveau ici. En fait, il faut tout baisser de 1. Baisser de 1 cette partie-là et du coup baisser. Oh merde, j'ai eu un petit bug là. Petit bug. Ouais, c'est bizarre. Oui. Ah, j'aime pas les petits bugs et tout. Normalement, hop, je fais ça. Tac. Et ça va être réparé. Vite fait. Voilà. Donc vous descendez ça de 1, que ça soit ben, décalé de 1, ça de 1, et le demi-demi là, parce que c'est pas un vrai bloc là. Là ça fait bien 1000, mais c'est deux demi-dalles. Vous descendez tout de 1, et comme ça votre baie vitrée, au lieu d'être de 3, elle fait 2. Et vous voyez, ça fait plus fin comme ça. Si vous vous rappelez, hein, parce que bon, c'est un petit détail. Donc, on retourne à notre ami le garage maintenant, parce que ça c'est le garage. Donc ici, voilà, ah oui, demi. Je me demandais ce que c'était le demi. Il y aura un. Ah, putain. Comment dire? On va déjà fermer le toit parce que ça va bien. Carré. Pourquoi ça me prend pas le truc? Prends le point. Ça fait pas ce que je veux. Alors en gros, là, ça fait 1. On rentre de 2 dans le truc. Là, on fait 10. 8. 1. T'es sûr que ça va là? Non, ça va pas. 10 000, ça déborde, c'est pas normal. Tant pis, on va faire confiance. J'ai confiance à mon espèce de plan. Ensuite, on ressort de 1, et là, il y a une. J'aurais dû le faire en off.
Je le ferai en off et puis je vous ferai découvrir quand je ferai la texture sur le truc. Il y aura un épisode de plus spécial texture. C'est pas très grave. Là, ce qui est emmerdant pour moi, c'est ces traits du coup. Sur l'axe des bleus, ça. Majuscule, 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 voilà. Tu vas me sortir en rouge, voilà. En rouge, en vert. Faut tout lui dire. Ah bah ouais. Là, on fait un dernier trait normalement, ça doit nous fermer. Non, des conneries. Ça va fermer. Et là, normalement, il me semble, je suis pas sûr, mais bon, je vais le faire là. Ça descend. Là, ça descendrait de 6000, bah, ça descend de 5000. Voilà, et là il y a une fenêtre découpée comme les autres. Je crois qu'il y a même des demi-blocs qui restent quelque part, mais je le ferai en off, puis après on verra ça ensemble à la fin du truc. Alors, on va essayer de rentrer là-dedans. J'arrive pas. Bon, on a déjà pas mal de trucs. Ce qui est emmerdant, bon, c'est ces traits-là, j'y ferai en off. Ah oui, il y a un dernier truc. Ah, alors là, ça va être long par contre. 2, 4, 5, 6. Rectangle. Ah, si bien. Là, je vais faire. Alors, c'est des traits de repère, hein, je vous dis rien. Ensuite, tac. Non, pas 10 000, 1 000. Pour faire des conneries. Non. Ouais, c'est pas dans le bon sens. Là, alors je vais gommer mes repères. La journée que nous aurons. Alors là, spécial, c'est un râtelier, pareil que ça. Un râtelier, j'appelle ça. Une petite interstitide. Oui, je sais pas le dire. Interstice. Ouais, des trous, quoi. donc, un petit truc avant là. Carré de 1000 par 1000. Carré de 1000 par 1000. Alors, on monte ça de. J'ai marqué quelque part. J'en ai marqué partout. Ouais. 750, 9 plus 1,5, donc 9500. 9500, ça a l'air bien.
Non, ça doit être bon. Alors là, je vais le faire simplifier, vous verrez dans Minecraft comme ça sera après. C'est juste en fait un truc, et puis ça supporte les panneaux solaires et tout le bazar. C'est tout. Là, pareil. Tac. Et alors, monter ça de 750. Voilà. Il faut qu'on laisse un trou de. Un trou de 250 de deux pellicules de neige. Ce que je voudrais faire par-dessus tout, c'est copier. Ouais, mais ça me copie des trucs que je veux pas copier. Ah ouais, alors on va. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas le sélectionner, voilà, et on ajoute alors ça, on tourne et on ajoute ça, ensuite on contrôle déplace par rapport à un point. Ah oui, alors je suis obligé de définir un point là. Tous les 1000. Faut me recoller parce que je sais pas comment on fait pour recoller. Ah non, pas tous les 1000. Parce que je vais le copier à partir de là. Coller au 1000. Alors, on va essayer. Alors, j'appuie sur CTRL, je prends un des points de ma sélection, je clique une fois, ça déplace. Donc, je lâche CTRL après, hein. Vous voyez, ça le déplace. Et je reclique. Je reprends CTRL. Vous voyez, du coup, si je le prends de là, je prends. Ah, je vais prendre depuis là peut-être. Ah bah ouais, non, si. Impeccable. Contrôle depuis là, là. Contrôle depuis là, là. Puis là. Puis là. En fait, depuis là où je colle, quoi, en gros. Et on monte jusqu'à arriver. Alors, à un certain point, parce que le dernier. Le dernier, il est spécial. Il est à que je dise pas de connerie. 1,5. Donc si on prend pour voir, on va faire 750. Si on fait 500, et il arrive là. Donc je vais faire vite fait. À partir de là, là, on le sort jusqu'ici. Là, on gomme. Voilà. Alors, j'avais dit combien la longueur? 38, tout compris. Donc, ça, et puis le bout, tout compris. Par contre, ça n'a pas sélectionné le truc derrière du coup. Pourtant, ça l'avait pris là. Bon, ça sera en off. Vous voyez, de toute façon, c'est depuis devant que je voulais vous montrer. Bon, mais ça sera beaucoup plus joli. Et je suis encore désolé pour la longueur de la vidéo, mais c'était un truc qui paraissait quand même un peu plus compliqué que d'habitude. Surtout avec les comment. On va effacer les guides. Bon, tant pis. Non, c'est supprimer les guides. Ouais. La disposition des toits un peu compliquée, quoi. Alors, là, du coup,
ça fait 500, c'est pas pour rien, parce qu'en fait ça fait 1500. Ensuite, sur ce taxe-là, ben, ça fait 38 moins 1, 37. Juste on échappe. On fait pareil. Ici. C'est exprès, ça y ferme. Hein. Là. On est dans quel sens là? D'accord, oui. C'est pas grave. 8. Ensuite, on tire ça. 8. Je voudrais tirer jusque là. Tout simplement. Là, il y a l'air d'avoir un point. On va le prendre. Là, on va le monter. Dès qu'elle est là, on va faire un petit 4000 par 1000. Ça nous ferme ça. Je veux effacer ça. Et ça nous fait une petite un petit bac. Où là, vous verrez sur Minecraft que là, il y aura des fleurs, enfin de l'herbe, des fleurs et des panneaux solaires. Donc, sur ce, voilà, on a fini. Et puis, je fais encore des conneries. Ouais, bien sûr, c'est pas fermé de ce côté-là. Fait. Là, on gomme ici, ici. Bon, ça c'est pour les petits détails, hein, bien sûr. Ça fait moche, hein, donc je vais gommer. Et comme ça, voilà. Donc, on a fini en gros. Hein. Là, je vous montrerai dans le prochain épisode. Ici, si j'ai le temps, je ferai un truc que j'ai fait dans le jeu. Mais on a nos toits. C'est un peu dans l'idée que je pensais. Ici, il y a un autre truc, mais je sais plus comment je l'avais fait. Je reverrai ça comme il faut. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que les tutos SketchUp vous plaisent. Pour moi, les vues... c'est pas vraiment au top, hein. Je sais pas ce qui se passe. Si vous aimez pas SketchUp, j'en sais rien. Bon, tant pis. Pour moi, c'était juste pour vous montrer un peu la facilité quoi de faire des maisons dessus. Voilà, donc abonnez-vous et partagez les vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!